Good morgen, allez, Yiden les Tusra, aujourd'hui, le Lunishmat, Avraham, Ben Yitzhak et Fanny, ainsi que les fois, Tarav, Shmuel, Ben Léa, Betor, Shachol, Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions ma Sechet Moed Katan, Perek Aleph, Mishnah Gimel. Rabbi Elazar Ben Yaakov Omer, Moshchin et Amaim, Meilan Leilan, Bilvad, Shelo, Yashke, et Kol Asade. Zraim, Shelo, Shatou, Lifne, Amoed, Lo, Yashkem, Bamoed. Le Chachamim Matirim, Bazé ou Bazé. Dernière Mishnah qui va porter sur l'arrosage des champs, des végétaux pendant Chol HaMoed, à savoir, maintenant on va concrètement rencontrer la machloquette essentielle qu'on a déjà évoquée depuis la première Mishnah. Dans quelles conditions Chachamim ont-ils permis d'arroser un champ pendant Chol HaMoed? Arroser, c'est un travail qui demande beaucoup d'efforts, en général, c'est ce qu'on va voir, si ça demande beaucoup d'efforts ou pas beaucoup d'efforts, il y a deux possibilités, comme ce qu'on va voir tout de suite. Et il y a aussi, pourquoi on arrose? Des fois c'est pour éviter des pertes, et des fois c'est pour augmenter le rendement. Et en fait, il y a une marquette double sur ça. Il y a deux avis. Le premier avis, c'est Rabbi Elazar Ben Yaakov qu'on va voir tout de suite. Lui, il pense que il n'y a pas de risque de perte, c'est juste pour gagner de l'argent. Je ne te permets pas de travailler, je te permets juste de faire des choses très simples, comme ce qu'on va voir tout de suite. Et s'il y a perte, alors, s'il y a une réelle perte, alors je te permets de travailler. D'accord? Il y a aussi une deuxième situation. On va voir dans les mots directement, puis c'est tout. Rabbi Elazar Ben Yaakov Omer, Elazar Ben Yaakov enseigne. Moshrin et amaim me'ilan le'ilan. Il est permis de tirer l'eau d'un arbre à un autre arbre. Soit, si par exemple, alors on parle d'un Sde Beta Baal, comme ce qu'il dit le Barthénoura, on parle d'un champ, on avait déjà évoqué depuis la première mission, qu'il y a deux types de champs. Il y a les Sde Aïlan et Sde Abal. Sde Ashlachin, Bet Ashlachin et Bet Abal. Mashkin Bet Ashlachin Bamoed, c'était la première Mishnah. Et le Bet Ashlachin, c'est ceux qu'il faut arroser nous constamment, et si on ne les arrose pas, la terre, ça sèche. Et il y a les Bet Abal, c'est dans des endroits où il y a assez de pluie naturelle. Maintenant, malgré tout, l'eau, elle s'est accumulée à proximité d'un seul arbre. On a envie qu'il y ait un petit peu d'eau qui va passer à l'autre arbre. Alors la Mishnah enseigne, on a le droit de tirer l'eau d'un à l'autre. Je ne sais pas exactement comment on fait pour tirer l'eau. Est-ce que c'est, on fait une petite faille dans la terre? Imaginez comme ça, j'imagine qu'on fait avec même un bâton, on fait un trait par terre, et du coup l'eau elle va se mettre à glisser d'un à l'autre. Un travail qui ne demande pas de fatigue. Là, on parle d'un Sde Beta Baal qui est un champ qui peut vivre, mais si déjà s'il y a plus d'eau, les fruits sont encore meilleurs. Alors quelque chose qui n'est pas tellement fatigant, comme par exemple tirer cette eau, comme on a dit, avec tu fais un petit haritz, une petite fente sur terre, dans la terre, et l'eau elle va passer dans l'autre, alors tu as le droit de le faire. Mais par contre, malgré tout, je te permets juste de tirer d'un arbre à un autre arbre, mais je ne te permets pas qu'à cause de, avec ce petit trait, maintenant tu vas te mettre à arroser tout le champ. Non, juste tu tires l'eau vers l'autre. Vers les racines de l'autre arbre, et c'est tout. Parce que c'est un travail qui ne demande pas donc beaucoup d'efforts pour une harvacha, pour gagner plus, augmenter le rendement. C'est pas pour éviter une perte. De plus, Zraim Shelo Shatou Lifne Amoed, des graines qui n'ont pas bu avant le Moed, avant la fête. Lo Yashkem Ba Moed, il ne les arrosera pas pendant la fête. C'est-à-dire, on avait évoqué, maintenant on parle du Bet Hashlachin. Et on avait évoqué que, on avait rapporté que si tu as commencé à arroser avant la fête, si, concrètement, quand tu as commencé à, tu plantes des graines, si tu commences à arroser, ça commence à l'intérieur, le processus commence à se faire, à germer un petit peu, si tu ne leur mets pas de l'eau, ça va mourir. Donc, si tu as commencé avant Chol HaMoed, je t'ai permis de continuer pendant Chol HaMoed. Mais si tu n'as pas commencé pendant Chol HaMoed, tu as juste semé, mais pour le moment, ils n'ont pas commencé à germer à l'intérieur. Alors dans ce cas-là, il n'y a rien de grave. Patiente encore 6 jours, 7 jours, que la fête passe. Tu arroseras après. Finalement, tu récupéreras ta récolte quelques jours plus tard. C'est pas la fin du monde. Pour pouvoir gagner, avoir plus de rendement, je ne veux pas te permettre de transgresser la fête, de travailler pendant Chol HaMoed. Ça, c'est la vie de Rabbi Elazar Ben Yaakov. D'accord? Donc si tu les as arrosés avant, je reprends les mots. Si tu ne les as pas arrosés, Zraim Shelo Shatou Lifnei HaMoed, des graines qui n'ont pas bu avant la fête, lo yashkem ba moed, tu les arroseras pas pendant la moed, il n'y aura pas de perte. Tandis que ve chachamim, matirin bazo, là on a l'avis de chachamim, qui permet dans les deux cas,
Parce qu'en fait, cet avis très rami, il pense que tu as le droit de travailler même pour augmenter un rendement. La halakha sur ça n'est pas établie comme Chachamim, mais comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. On a une règle que halakha qui Rabbi Eliezer ben Yaakov, partout on voit le Rabbi Eliezer ben Yaakov dans le Mishnah, en général, la halakha est tranchée comme lui. Et donc, concrètement, on ne permettra pas un travail fatigant pour augmenter du rendement. Ok? C'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une journée pleine de Hatzlacha, comme tout cela.